Yannick Agaimont a une belle victoire contre Moucron. C'est bien pour la Louvain. Ouais, c'est bien pour notre équipe, c'est bien pour le club. On avait à cœur de gagner ce soir, de montrer une belle image de nous devant nos supporters. C'était le premier match à la maison contre une équipe de D1. Donc il fallait faire bonne figure et c'est ce qu'on a fait ce soir et on est très contents. De nouveau, une bonne prestation contre une équipe de première division. Ici à domicile, ça fait du bien, hein, après la prestation contre la Lyrse. Ouais, c'est vrai que contre le Lyrse à domicile, on avait perdu. Mais généralement, contre les clubs de D1, on arrive à produire un bon football. Maintenant, on est sorti un peu malheureux des derniers matchs parce que voilà, il y a eu des décisions arbitrage qui ont été un peu en notre défaveur. Donc on avait à cœur aujourd'hui de remporter les 3 points et c'est ce qu'on a fait. Le club et l'équipe est content et c'est le principal. Et aussi deux buts de vous. Le premier but était bel. Hein. Ouais, c'est une belle action de l'équipe où je reçois un bon ballon de Sami Kelly. Et voilà, elle vient au deuxième poteau et je la prends bien et ça me sourit. Donc je suis content d'avoir été décisif pour l'équipe. Et maintenant, essayer de faire le même contre Beveren le prochain match. Oui, nous on a envie de montrer une bonne image dans ces playoffs. On veut jouer le coup à fond. On va essayer de prendre le maximum de points possible. Et que ce soit contre Beveren, Zilt à la maison et Courtrai qui vont venir chez nous. On veut marquer le coup, on veut gagner chez nous. C'est clair, hein, on peut mettre le pied à côté de lui. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on n'a rien à leur envier. On doit apprendre, ça doit nous servir pour apprendre le haut niveau, mais il ne faut pas avoir peur de jouer, de se montrer. Je pense que ce soir on l'a fait et c'est bien pour l'équipe. On continue à progresser et le club continue aussi à grandir et c'est bien pour l'année prochaine pour préparer la saison prochaine.